le fragment de mes mots, le fragment de mon silence, le fragment de mon corps qui vous parle ici, le fragment de votre corps qui m'écoute, le fragment de ma parole descendue dans votre esprit, le fragment de votre esprit en mouvement sur le fragment de votre pensée, le fragment de votre esprit écoutant le fragment de ma parole, le fragment de votre esprit qui pense à autre chose, le fragment silencieux de votre enfance, le fragment douloureux de la mort qui fragmentera définitivement notre présence, le fragment de l'espace dans lequel vous vous trouvez, le fragment de la personne qui est à côté de vous, le fragment de la personne qui est à côté de vous, les fragments des présences rassemblées et debout entre ciel et terre, ici. Le fragment des présences qui s'ignorent. Le fragment des présences qui se cherchent et qui se trouvent. Le fragment de cet espace. Le fragment de votre regard dans cet espace. Le fragment de votre corps dans cet espace. Le fragment de votre pensée dans cet espace. Le fragment de la rue derrière la porte de l'ancienne imprimerie commerciale de Douai. Le fragment de la rue dans la ville. Le fragment de la ville sous le ciel. Le fragment de la ville de jour ou de nuit. Le fragment du jour ou le fragment de la nuit. Le fragment de la lune, le fragment d'une étoile. Le fragment de la nuit dans vos pensées. Le fragment du jour dans vos pensées. Le fragment de l'inconnu, le fragment du néant dans le vide, tous les fragments visibles ou invisibles, tous les fragments qui entrent dans cette ville, tous les fragments qui sortent de cette ville, le fragment du mouvement de votre pensée rejoignant le fragment de tous ces mouvements ou de toutes ces immobilités, le fragment d'un visage. Le fragment du visage d'un réfugié qui entre dans la ville. Le fragment de son pays resté enfoncé dans sa chair. Le fragment de sa souffrance inaudible. Le fragment de son épouse et le fragment de son fils piétiné par la guerre. Le fragment de notre indifférence, le fragment de notre mépris. Le fragment de notre peur. Le fragment de notre, comment dire... Le fragment de je ne sais plus quoi faire. Le fragment de notre égoïsme. Le fragment de celui qui décide et le fragment de celui qui subit. Le fragment de notre impuissance. Le fragment de notre volonté de puissance. Le fragment de notre doute. Le fragment du SMS que nous venons de recevoir. Le fragment du SMS que nous envoyons en réponse. Le fragment de notre fuite du monde. D'ici, vers le monde là-bas où le corps n'est pas réel, mais juste un message du corps fragmenté. Le fragment qui me fragmente pour oublier qui je suis, où je vais. Le fragment qui me rassemble dans ce que je suis. Le fragment de mes responsabilités et le fragment de mon oubli. Le fragment de mon amour pour toi. Le fragment de ma haine pour lui. Le fragment de l'instant où tous les fragments se rassemblent. Le fragment... de la conscience de cet instant, le fragment de l'inconscience de cet instant, les fragments passés et les fragments à venir, le fragment de l'éternité et le fragment de l'infini, le fragment de l'humanité et le fragment de la solitude, le fragment impensable, le fragment du désir et le fragment de la colère, le fragment est le morceau d'une chose brisée ou déchirée, le fragment est le résidu de quelque chose présentant un intérêt historique, scientifique ou cognitif. Le fragment est l'extrait d'une œuvre, d'un texte, il est parfois une forme littéraire à lui seul. Le fragment est une partie plus ou moins importante de quelque chose par opposition au tout qui ne pense pas le fragment comme partie de lui-même. Le fragment ignore tout de l'infini qui le porte. Le fragment fait des cauchemars quand il pense à lui-même.